Bonjour tout le monde, bonjour les enfants, espérons que vous allez bien. Est-ce que vous êtes tous là? On va attendre quelques minutes avant de commencer. Allez, où êtes-vous les enfants? Est-ce que vous êtes là? On va attendre 2 minutes avant de commencer. Espérons bien que la connexion nous aide à terminer cette leçon. Comme vous le savez, le direct, c'est pas toujours facile. Mais on va essayer de faire le max pour terminer cette leçon. Alors, bonjour les présents, bonjour les enfants. Bonjour Israf, bonjour Emma, bonjour Sabia, bonjour tout le monde. Allez, on va commencer. Espérons que les autres ne tardent pas à voir notre leçon d'aujourd'hui. On va commencer tout d'abord par une petite révision. On va commencer à partir du module numéro 6. Bon. Mes leçons vont être spécialement pour les élèves moyens. Donc, je ne vais pas prendre en considération les élèves excellents et les élèves qui sont très faibles. Donc, je vais prendre comme si tous les enfants sont moyens. D'accord? Alors, les enfants, on peut commencer. Donc, notre leçon aujourd'hui, c'est, on va parler de la phrase minimale et la phrase enrichie. Comme vous savez bien, au début de l'année, nous avons vu les caractéristiques de la phrase. Donc, prenons par exemple la phrase suivante. Regardez bien, suivez bien. Le garçon ouvre la porte. Donc, c'est une phrase simple. Vous voyez bien que cette phrase commence par une majuscule, elle se termine par un point. Et est-ce que cette phrase a un sens? Vous allez me répondre par oui ou non. Est-ce que cette phrase a un sens? Donc, bien sûr, cette phrase, elle a un sens, puisque les mots sont en ordre. Donc, les mots sont bien en ordre. Donc, cette phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Elle a aussi un sens. Donc, c'est une phrase correcte. Donc, c'est juste un petit rappel des caractéristiques de la phrase, la majuscule, le point et le sens. Donc, on va commencer par cette phrase. Regardez bien. Est-ce que je peux supprimer un mot de cette phrase? Est-ce que je peux supprimer, par exemple, le garçon?
Donc, ouvre la porte, est-ce qu'elle a un sens? Donc, je ne peux pas supprimer le mot le garçon. Est-ce que je peux supprimer le mot ouvre? Donc, cette phrase n'aura pas de sens. Le garçon la porte, donc cette phrase n'a pas aussi de sens. Est-ce que je peux supprimer la porte? Elle n'a pas de sens. Le garçon ouvre. Ouvre quoi? Donc, cette phrase n'a pas de sens. Donc, puisque je ne peux pas supprimer aucun mot, donc c'est une phrase minimale. La phrase minimale, c'est la phrase dans laquelle je ne peux pas supprimer aucun mot. Si je supprime un mot, le sens de la phrase change. Et la phrase doit avoir un sens. Sinon, c'est une non-phrase. C'est une phrase qui n'est pas correcte. Est-ce que c'est clair, les enfants? On peut continuer? D'accord. Alors, on va tout d'abord chercher les noms dans cette phrase. Avant de chercher les noms, on va rappeler les deux grands constituants de la phrase. Donc, la phrase se divise en deux. Le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Donc, le groupe verbal, il contient le verbe. Et le groupe nominal sujet, il contient le sujet. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, la phrase se compose de deux grands constituants, le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Le principal mot dans le groupe verbal, c'est le verbe. Et le principal mot dans le groupe nominal sujet, c'est le sujet. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, la phrase commence par majuscule, se termine par un point, a un sens. Elle se compose de deux grands constituants, le groupe nominal sujet et le groupe verbal. C'est juste un petit rappel, mais ce n'est pas notre objectif aujourd'hui. Donc, on va reprendre la phrase. Le garçon ouvre la porte. Donc, on va tout d'abord souligner les noms dans cette phrase. C'est un nom. Le garçon aussi, c'est un nom. C'est un nom. Le garçon, c'est un nom propre ou bien c'est un nom commun? Nom indéterminant et un nom. Donc, le nom commun se compose de deux mots, le déterminant et le nom. Et vous allez me répondre par oui ou non. Je veux bien écouter vos réponses. Donc, on ne connaît pas ce garçon. Le garçon ouvre la porte. Quel garçon? Tous les garçons ouvrent la porte. Donc, comment je peux connaître ce garçon? Est-ce que je peux ajouter d'autres informations sur le garçon pour que je puisse le connaître? Si je vous dis par exemple le petit garçon ouvre la porte. Est-ce que vous connaissez maintenant ce garçon? Oui, on commence à connaître le petit garçon. C'est un garçon, il est petit. Est-ce que c'est suffisant pour connaître ce garçon?
Donc, je ne le connais pas encore. Je vais ajouter une autre information sur ce garçon. Regardez. Le garçon. Garçon blond. Ouvre la porte. Est-ce que vous connaissez ce garçon maintenant? Oui, bien sûr, on le connaît. C'est un garçon. C'est un petit garçon. Il est aussi blond. Blond, c'est un adjectif. Le féminin de blond, c'est blonde. C'est un adjectif de couleur. Et comme vous le savez, les adjectifs de couleur se placent toujours après le nom. Donc, on va voir ça dans les séances prochaines. Mais dans cette phrase, j'ai ajouté petit et j'ai ajouté blanc à au garçon. Donc, ce garçon est petit, ce garçon est blanc. Donc maintenant, je connais ce garçon. Donc, que pensez-vous de cette phrase maintenant? C'est une phrase enrichie ou bien c'est une phrase étendue. Donc, j'ai enrichi ma phrase en ajoutant quoi? En ajoutant des adjectifs. Donc, petit et blond sont des je peux donner des informations supplémentaires sur le nom en ajoutant des adjectifs. Je peux dire le grand garçon noir, le petit garçon brun. Donc, lorsque j'enrichis les noms dans la phrase, je suis en train d'enrichir la phrase. Est-ce que c'est clair? Vous pouvez prendre note avant de terminer la suite. Donc, ma phrase au début était le garçon ouvre la porte. Maintenant, ma phrase c'est le petit garçon blanc ouvre la porte. Donc, ça c'est pour le premier nom commun, le garçon. Donc, le petit garçon blanc ouvre la porte. Je vais faire maintenant la même chose. Pour la, je vais effacer. D'accord, je vais effacer. Je vais faire la même chose avec la porte. Donc, ma phrase. Blanc ouvre la porte. Quelle porte? Il y a plusieurs portes dans la maison. Donc, on va donner des informations sur la porte. Laquelle? Donc, comment je peux enrichir, donner des informations sur la porte? La petite porte, la grande porte. Alors, donc, je vais donner des informations supplémentaires sur la porte. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Le petit garçon blanc ouvre la grande ou bien petite, la grande porte. Alors,
Sûrement a une couleur, cette porte. La grande porte, oui, qui peut donner un adjectif après la porte. La grande porte, c'est bien. C'est bien, Rani. C'est bien. La grande porte de la chambre, c'est bien. Très bien. Donc, le petit garçon blanc ouvre la grande ou bien la jolie. C'est bien. La grande porte bleue. De la maison. C'est bien. La grande porte bleue de la maison. C'est bien. Alors, dans cette phrase, j'ai ajouté petit, blanc, grande, bleu de la maison. Donc, j'ai ajouté des adjectifs. Au nom garçon et au nom porte. Donc, j'ai donné des informations supplémentaires aux deux noms communs, le garçon et la porte. Donc, pour enrichir une phrase, je dois donner des informations supplémentaires sur les noms communs dans cette phrase, soit dans le groupe sujet, soit dans le groupe verbal. Regardez maintenant. Ma phrase, on peut la couper ici. Donc, j'ai enrichi le groupe sujet et j'ai enrichi le groupe verbal. Bien sûr, en donnant des informations supplémentaires sur le garçon et sur la porte. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, de sa chambre. Supplément. Grande porte, oui, c'est bien. Oui, bravo, c'est bien. C'est bien, Aïda. Bravo, Séné. Oui. Aïda, bravo. De la maison. Avant de terminer, je veux vous dire quelque chose. Pourquoi cette leçon? Dans vos productions écrites, on remarque toujours que les élèves écrivent des phrases simples, des phrases minimales, pour ne pas commettre des fautes. Mais lorsque vous écrivez des phrases enrichies comme ça, bien sûr, lors de la correction de vos copies, on vous sélectionne de meilleures notes. Donc, cette leçon vise la production écrite. Donc, pour bien écrire, il faut faire un enrichissement de la phrase. Donc, que pensez-vous de cette phrase? Est-ce que je peux encore enrichir cette phrase ou bien oui. Donc, la plupart de vous enrichissent la phrase par des compléments. C'est très bien. Bon, pour la quatrième année, on ne peut pas dire aux élèves que c'est un complément de des compléments aux élèves de la quatrième année. Donc, on peut leur dire, par exemple, de prendre autrement. Oui, on peut. Votre camarade a dit la porte rouge. Oui, on peut changer de couleur. Oui. Donc, vous voyez toujours les adjectifs de couleur. Les adjectifs de couleur.
C'est un adjectif de couleur. Il se place toujours après le nom. Donc, les adjectifs de couleur, on les place après le nom. Une voiture bleue, une bicyclette rouge, une poupée, c'est pas une poupée blonde. C'est bien. C'est bien. Oui, c'est bien, M. Donc, alors, au lieu de dire aux enfants que nous allons... Vous pouvez faire une capture d'écran avant que j'efface le tableau. Interrompu. La vidéo n'est pas connectée. Bon. Alors, je peux effacer. Maintenant, regardez. On va apprendre aux enfants de poser des questions suivantes. Donc, posez les questions suivantes. Quand, comment, où, pourquoi, etc. Donc, on va poser les questions suivantes. Quand? Pas forcément de poser toutes les questions. Je peux poser par exemple la question quand, comment, ou bien quand, où, bien quand, pourquoi, bien comment, pourquoi. Alors, lorsque je dis quand, le petit gars... Alors, donc, le petit garçon blanc ouvre la grande porte bleue de la maison quand? Le matin, aujourd'hui, oui, c'est bien, à midi, un bureau noir, quand? Une petite paix aujourd'hui. C'est très bien. Aujourd'hui, le matin, le soir, quand vous voulez. Donc, on va prendre par exemple quand on va dire aujourd'hui. Quand aujourd'hui. Comment? Lorsqu'on ouvre la porte de la maison. Comment on ouvre la porte de la maison? Doucement. Doucement. Donc, c'est pas la peine de poser toutes les questions. Pourquoi, par exemple? Pourquoi l'enfant ouvre la porte de la maison doucement? Pour aller à l'école. Ou bien pour sortir, ou bien pour aller jouer. Donc, pour sortir. Donc, aujourd'hui, doucement, pour sortir. Donc, j'ai ajouté des compléments de temps
de lieu, de temps, de manière implicitement. Et reprendre ma phrase. Alors, aujourd'hui, le petit garçon blond la grande porte bleue de la maison doucement. Donc aujourd'hui c'est bon, doucement pour sortir. Donc aujourd'hui le petit garçon blond ouvre la grande porte bleue de la maison doucement pour sortir. Vous pouvez prendre note. شارج ان شاء الله ما تحلش شارج بلس ترمينينا لسون دونك vous voulez prendre la phrase d'accord. Est-ce que vous avez terminé? Donc, ma phrase, j'ai commencé au début, le garçon ouvre la porte. C'est une phrase minimale. La phrase, j'ai enrichi ma phrase de deux façons. J'ai enrichi ma phrase en employant des adjectifs qualificatifs ou bien des adjectifs de couleur et en ajoutant aussi des compléments, mais je dis bien des compléments, je les ai ajoutés implicitement sans dire aux élèves que c'est un complément de manière ou bien c'est un complément de lieu ou bien c'est un complément de temps, d'accord? Donc, implicitement, j'ai ajouté doucement, aujourd'hui, et pourquoi, c'est le pourquoi, c'est pour sortir ou bien pour aller s'amuser ou bien pour aller jouer comme vous voulez. D'accord? Donc, je dis bien que l'enrichissement de la phrase peut se faire soit dans le groupe nominal sujet, soit dans le groupe verbe. Donc, là où il y a des noms, je peux enrichir ces noms. Donc, j'ai donné des informations supplémentaires sur la porte. J'ai donné des informations supplémentaires sur le garçon. Donc, et comme ça, j'ai enrichi. Maintenant, je connais ce garçon et je connais la porte de la maison. Et en ajoutant des compléments aussi comme ça, j'ai enrichi ma phrase. Donc, je vous conseille dans vos productions écrites d'écrire des phrases comme ça.
Je donne un exemple. Avant de passer aux exercices, je vais vous donner un exemple. Comme vous savez bien que dans la production écrite, on donne toujours des images et on vous demande de écrire des phrases devant chaque image. Donc, si par exemple, je vous donne une image dans laquelle une petite fille qui pousse un chariot, par exemple. Par exemple, regardez cette phrase, regardez cette image. Donc, je vous demande par exemple de écrire une phrase à côté de cette image. Donc, je vais vous montrer cette image. Je ne sais pas si vous voyez l'image ou non. Donc, qui peut me donner une phrase qui parle de cette image? Donc, certains de vous, dans leur production écrite, vont me dire le garçon, ou bien Stéphane, ou bien quand vous voulez, le garçon joue de la musique. N'est-ce pas? Le garçon joue de la musique. C'est bien, c'est une bonne phrase. Lorsque on corrige vos productions écrites, on va vous donner un seul plus. Pourquoi? Parce que c'est une phrase minimale, c'est une phrase très simple. Est-ce que vous avez écrit une phrase enrichie? Donc, c'est une phrase très simple. Donc, je dois faire de la même manière. Avant d'écrire la phrase sur vos copies, vous devez penser, vous devez enrichir la phrase sur vos cahiers de recherche. Donc, je dois donner des informations sur le garçon et je dois aussi donner des complément pour enrichir cette phrase. Donc, exemple, de la même manière, on va faire de la même manière, on va changer aujourd'hui par un autre mot, un terme temporel, un autre terme temporel. Le garçon, ou bien le petit garçon, ou bien le jeune garçon, puisqu'on parle des noms communs. Le jeune garçon joue de la musique dans sa chambre. Comment? Joyeusement. Voilà. Joyeusement. Donc, c'est une phrase enrichie. Lorsque vous écrivez cette phrase dans vos productions écrites, alors vous êtes en train de faire un sujet cohérent, une phrase cohérente qui vous aide à prendre de meilleures notes. Donc, le soir, le jeune garçon joue de la musique dans sa chambre. Généralement, tous les enfants écrivent cette phrase. Le garçon joue de la musique. Donc, ce n'est pas suffisant. Donc, il faut enrichir la phrase de cette façon. Donner des informations sur les noms. Ajouter des termes temporels. Ajouter des compléments de manière. Bien sûr, comme je viens de dire, implicitement, sans dire aux enfants que c'est un complément de manière ou bien un complément de temps. Donc, les initier à employer, même à la maison, les initier à
ces termes-là pour améliorer leur production écrite. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas, est-ce que vous voyez bien le tableau avec le stylo rouge ou non? C'est bien, le charmant garçon, au lieu de dire le petit garçon, c'est très bien. C'est bien. Le grand garçon, oui. C'est bien, bravo. Le grand garçon. Le soir, un petit garçon joue de la musique avec son joli violon. C'est bien, M, bravo. Le garçon. C'est bien. Bravo. Donc, on a passé d'une phrase minimale, je vais changer mon stylo. On a passé d'une phrase minimale, à une phrase enrichie. C'est bien. Est-ce que je peux effacer si vous avez terminé? Quel niveau? C'est la quatrième année. La quatrième année, module 6. Samedi matin, le jeune garçon, c'est très bien. C'est bien. Regardez maintenant, je vais vous donner une image et vous allez me produire des phrases. Regardez bien. Allez, regardez. Donc, j'attends vos productions. Donc, j'attends vos productions. Allez. Moi, je vais vous proposer, je vais dire, je suis un élève passable, je suis un élève passable, je vais vous dire les deux garçons. Prépare un gâteau. Voilà, je suis un élève. Je suis un élève passable. Je suis un élève moyen. Je vais dire, les deux enfants préparent un gâteau. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que cette phrase... C'est la fête des mères, maman. Oui? C'est bien. Rima, c'est bien. Yahya, c'est bien. Oui? Donc, j'ai dans cette phrase deux groupes de noms. Le premier nom, c'est les deux enfants. Ensuite, un gâteau. Donc, tout d'abord, je dois enrichir, donner des informations supplémentaires
sur les deux enfants et sur le un gâteau. Allez, vos propositions, allez. C'est bien, Jojo, Latifa, c'est bien. Asma, c'est bien. Les deux enfants préparent un délicieux gâteau. Et tu n'as pas enrichi, tu n'as pas donné des informations sur les deux garçons, les deux enfants, pardon. Pour anniversaire, c'est bien, oui. Un garçon, une fille, après-midi, c'est très bien. C'est bien, c'est bien, elle. Elle aussi, c'est bien. Oui, allez, on va travailler cette phrase ensemble. Donc, les deux enfants. Les deux petits-enfants. Oui, c'est bien. Donc, on va ajouter. On va commencer par un mot qui indique le temps. Donc, le dimanche, bien l'après-midi, le dimanche, est-ce que vous voyez bien le tableau? Je ne sais pas, est-ce que vous voyez le tableau ou non? Le dimanche, les deux petits garçons, les deux petits enfants, ou bien c'est dimanche, l'enfant et la petite fille, ou bien Alex et Nadia, comme vous voulez, on peut donner, on peut changer les noms communs par des noms propres. Le petit garçon, il s'appelle. La petite fille, elle s'appelle Nadia, par exemple. On peut changer. Donc, le dimanche, les deux petits-enfants, qu'est-ce qu'ils font? Les deux petits-enfants, oui, préparent quoi? Un. Il est comment le gâteau? Il est délicieux. Il est bon. C'est très bien. Faites, c'est bien. C'est bien. Délicieux gâteau, oui, c'est bien. Rime, c'est bien. Donc, les deux enfants préparent un délicieux gâteau. Je peux ajouter quelque chose d'autre, un délicieux gâteau au chocolat, par exemple. Au chocolat. Ou dans la salle à manger ou dans la cuisine? Dans la cuisine. Dans la cuisine. Pourquoi ce gâteau? Pour leur, par exemple, pour leur anniversaire, par exemple, pour leur, ou bien pour l'anniversaire de la maman. C'est bien. Donc, ma phrase. Le dimanche, les deux petits enfants préparent un délicieux gâteau au chocolat dans la cuisine pour l'anniversaire de la maman. J'ai ajouté le dimanche, j'ai ajouté petit, j'ai ajouté délicieux, j'ai ajouté au chocolat dans la cuisine pour l'anniversaire de la maman. Donc c'est une phrase bien riche. Le dimanche, les deux petits enfants prépare un délicieux gâteau au chocolat dans la cuisine pour l'anniversaire de la maman. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris comment on peut enrichir les phrases? Donc,
Pour résumer, pour enrichir une phrase, je dois donner des informations supplémentaires sur les noms, soit dans le groupe nominal sujet, soit dans le groupe verbal. Comme je peux aussi ajouter des compléments, donc je répète toujours implicitement, sans dire aux enfants que c'est un complément de manière ou bien c'est un complément de lieu, mais je les entraîne à la maison à employer, à répondre aux questions, par exemple quand, où, comment, pourquoi, ici par exemple, pourquoi, pour l'anniversaire de la maman. Donc, en ajoutant des adjectifs, en ajoutant des compléments, nous arrivons à enrichir nos phrases, surtout dans la production écrite. Est-ce que c'est clair, les enfants? Donc, je relis la phrase une deuxième fois. Le dimanche, les deux petits-enfants préparent un délicieux gâteau au chocolat dans la cuisine pour l'anniversaire de la maman. C'est une phrase enrichie. Les deux enfants préparent un gâteau, c'est une phrase minimale. Maintenant, tous les mots que j'ai ajoutés dans cette phrase, est-ce que je peux les supprimer? Est-ce que je peux les supprimer ou non? Oui, c'est bien. Oui. Ce sont des mots qui ne sont pas obligatoires. Ce sont des mots que j'ai ajoutés pour enrichir ma phrase. Ce sont des mots qui ne sont pas obligatoires. Les mots obligatoires sont « les deux enfants préparent un gâteau ». Ce sont des mots obligatoires. Est-ce que je peux dire « les deux enfants préparent » ? Prépare quoi ? Prépare un gâteau. Donc, un gâteau, prépare, les enfants, ce sont des mots obligatoires dans la phrase. C'est pour cela que nous avons appelé une phrase minimale. Et celle-là, c'est une phrase enrichie, puisque j'ai ajouté des adjectifs et j'ai ajouté des compléments. Est-ce que vous avez compris la leçon ou non? Donc, la prochaine fois, nous allons voir comment utiliser des adjectifs dans la phrase et comment les accorder avec les noms qu'ils accompagnent, soit en genre, soit en nombre. Donc, tu dis bien, la prochaine fois, nous allons voir comment ajouter, comment employer les adjectifs et comment les accorder avec les noms qu'ils accompagnent, soit en genre, soit en nom. Est-ce que vous êtes d'accord? Merci pour votre attention. J'espère bien que vous avez compris cette leçon et à demain, j'espère, vers 15h. Bye bye, au revoir les enfants.